L'infection vaginale encore et encore, on en parle et on en parlera toujours. Et pour ce deuxième numéro de Top Santé, le cadre n'a pas changé, mais cette fois-ci, nous sommes avec une autre sage-femme. Elle s'appelle Gado Asanat, toujours à la BPF. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de Nord Bénin TV, et merci de toujours nous préférer. Comme annoncé lors du premier numéro, nous parlerons aujourd'hui dans ce deuxième numéro du traitement de l'infection vaginale. Bonsoir à vous, chère sage-femme. Bonsoir, madame la journaliste. Nous avons eu à parler de la définition de l'infection vaginale dans le numéro passé. Alors aujourd'hui, on va aborder la question du traitement. Comment se fait le traitement de l'infection vaginale? Je vous remercie. Le traitement de l'infection vaginale est à plusieurs étapes. Pour réussir vraiment le traitement de l'infection vaginale, il faut le traitement des partenaires ou des partenaires qui nous permet d'introduire quelques médicaments en cas de germes en cause. C'est selon les germes en cause qu'on sait quelles mesures prendre, quel traitement mettre pour pouvoir éliminer les germes en cause. Et quand le traitement n'est pas vite fait, quels sont les risques que court déjà la jeune fille? Les risques sont énormes parce que l'infection crée assez de dégâts, surtout chez les jeunes filles. Ça crée les avortements répétés. Il y a les trompes qui peuvent être bouchées. Il y a la septicémie, ça peut donner aussi les règles douloureuses chez certaines femmes. Et puis il y a des complications pendant la grossesse, hypotrophie des bébés. Par exemple, quand une femme a une infection, elle fait les petits bébés, parce que l'infection ne permet pas au bébé de se développer. Donc il y a une hypotrophie de bébé à l'accouchement. Et en tant que sage-femme, vous êtes confrontée chaque jour aux patientes qui viennent ici pour différents cas, et particulièrement pour l'infection vaginale. Comment est-ce que vous arrivez à gérer les patientes? Bon, c'est simple. C'est les conseils qui sont énormes parce que d'autres contactent les infections par ignorance. Ce n'est pas nécessairement les infections causées par les rapports sexuels. Il y a le manque d'hygiène qui cause les infections vaginales. Par exemple, si une femme porte le même slip pendant des jours, ça peut lui donner des infections. Par exemple, il y a des localités où il n'y a pas de l'eau potable. Les dames utilisent l'eau de puits, ça crée des infections. Nous avons des soeurs qui ont des zones très sales, qui font chaque fois les toilettes intimes. Ça crée aussi des infections vaginales. C'est vrai que nous parlons d'infection vaginale, et déjà, quelle est la responsabilité qui incombe aux hommes dans cette affaire? J'avais parlé tantôt de l'hygiène et aussi la fidélité, parce que quand on fait des rapports non protégés avec plusieurs partenaires, on peut contracter des infections vaginales. Donc la fidélité doit être réciproque, hein. Ce n'est pas uniquement chez l'homme. Si la femme aussi n'est pas fidèle, elle peut contracter des infections et contaminer son partenaire. Nous tendons progressivement vers la fin. Alors, un mot à l'endroit de ces femmes-là qui nous... Nos sœurs aujourd'hui, malgré les sensibilisations sur les infections vaginales, elles n'aiment pas venir se faire consulter. Il faut nécessairement une consultation pour être sûr qu'on souffre réellement d'une infection. Et c'est la consultation qui va permettre de savoir le germe en cause et savoir comment mettre la main pour pouvoir définitivement éradiquer ce mal. Donc je conseille à nos soeurs, en cas de malaise, surtout au niveau de l'appareil génital, de faire un tour à l'hôpital pour une consultation. Chez nous, ici à la BPF, chez les jeunes de 10 à 24 ans, la consultation elle est gratuite. L'automédication n'est pas tellement bon parce que ça fait résister les germes. Donc il faut connaître le germe en cause avant de pouvoir mettre un traitement. Merci d'être resté des notes. C'était Top Santé avec Madame Gado Asanat. Nous avons eu à parler du traitement de l'infection vaginale. La santé n'a pas de prix. Préservons-nous donc à l'avenir de toute une génération en Europe.